Bonjour, dans Photoshop, je vais vous montrer comment créer des masques de fusion avec des effets graphiques. D'abord, commencer par transformer l'arrière-plan en calque. Je double-clique dans arrière-plan, je vais faire calque. Je vais ensuite le dupliquer par un clic droit, dupliquer le calque. OK. Ensuite, je vais créer un masque de fusion. Donc, palette des calques, troisième icône. Au départ, il est blanc puisqu'il laisse tout passer. Et quand il est noir, il ne laisse rien passer. Quand il est gris, il laisse passer partiellement la lumière. Et là, je vais faire simplement un flou directionnel. Alors, je vais faire filtre flou, flou radial. Je vais le régler en mode. Non pas rotation mais zoom et je vais laisser une valeur de 45. OK. Donc là on a l'impression d'avoir ce qu'on appelle un coup de zoom, donc un changement de focale sur un temps de pose photographique lent, par exemple un huitième de seconde ou un quinzième de seconde. Et dans le masque de fusion, je vais donc faire un dégradé. Alors je vais intervertir les valeurs de premier plan, arrière-plan. Assurez-vous d'avoir bien du noir sur du blanc, vous tapez D par défaut et X pour les intervertir, comme ça. Et je vais prendre le dégradé que je paramétrerai par défaut le plus simple possible, circulaire, radial. Alors là, ce que je souhaite avoir, c'est l'inverse, hein, donc je vais plutôt partir. Alors je vais l'intervertir dans le masque de fusion, je vais faire commande I, intervertir. Et là, j'ai dans l'image un effet de flou directionnel qui est simplement en périphérie de l'image. C'est le principe des masques de fusion. Donc on peut déverrouiller le calque et avec l'outil de déplacement, on peut bouger un petit peu le masque de fusion. Vous voyez l'effet là. Je peux l'agrandir aussi, commande T. Et ensuite, par-dessus, je vais donner une teinte légèrement bleutée à l'image. Je vais rajouter un filtre photo refroidissant. Alors, calque de réglage, filtre photo. Je vais prendre le réglage dans les propriétés, filtre refroidissant, 80. Et je vais demander à conserver la luminosité de l'image. Là, on peut pousser, on peut saturer plus ou moins l'effet. Je vais rester comme ça. Alors, ensuite, voilà, ça c'est un exercice est fini. Je vais vous montrer d'autres effets d'image. Par exemple, ça c'est un effet de mosaïque qui est fait simplement avec un calque de réglage. Alors, si j'appuie sur Alt, on va voir uniquement le filtre qui est constitué de zones carrées de l'image remplies de teintes de gris. Des grilles 75, 50, enfin des grilles très simples. Je rappuie sur Alt. Donc là aussi, l'effet est réversible. Alors là, un effet de bord en gardant le même effet de flou radial. Donc simplement, le masque de fusion que je vais déplacer avec l'outil de déplacement permet de localiser la zone. Alors bien sûr, là on voit les bords parce qu'en fait, il faudrait, si je voulais me décaler, il faudrait. En cliquant sur Alt, rajouter du blanc à droite. Alors je vais faire image retour arrière et je vais remplir de blanc direct. Je désélectionne, je rappuie sur Alt, clic et je récupère en fait mon calque. Donc V, touche de déplacement, très simple. Ça, c'est l'effet de corrigé. Alors, les effets peuvent se cumuler puisqu'on peut très bien avoir le dégradé qui opère et l'effet de mosaïque visible. Alors là, j'avais mis un filtre photo, j'ai poussé un peu trop d'ailleurs. On peut également, je ferme ça, on peut également ici jouer sur l'opacité du masque, pardon, de façon à avoir un effet très subtil.
Bon, faut pas trop cumuler d'effets, ça des fois ça peut être catastrophique. Voilà pour ce tout petit tuto sur les masques de fusion Photoshop. Merci.